Je pense pas que je vais pouvoir m'allonger aujourd'hui. Il avait mis les infos et c'est comme ça que j'ai su pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête... À certains moments des séances, je pense qu'il partirait en courant. Et quelqu'un d'autre? Après, ne me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Tu t'interroges sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans votre truc de psy. Faut vous le dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire, là? Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con? Bah, tu le sais, c'est ce que t'es. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait.